Thank you.
Oh,
Super. Camion un peu parce que... Thank you.
Yeah.
fait. Yeah.
Thank you.
I
Oh, il est mal, là, il est mal.
Oh,
comme si elle sortait du showroom. Alors, bravo encore et champagne, Patrick Mayerse, salut à l'univers. Un peu trop de pression sur les épaules du jeune Frézy, ou bien Bernard allait plus vite avec son expérience? Non, Bernard est très théorique. C'est une dernière boucle, c'est difficile pour moi sur l'autre. Voilà, c'est de la part de pilote. Il reconnaît que Bernard Munster était beaucoup plus rapide. C'est pour ça que vous allez l'applaudir encore, car Frézy Wax termine le premier à ça. Deuxième de deux nouveaux prises, Frézy Wax, André Mollet. Il est troisième du classement général. Benoît Clio, troisième du classement général, le champagne. Voilà Bernard Munster et Jean-François vers l'avant de la voiture. Les hôtesses de Radio Nostalgie sont là. La bise aux vainqueurs en Formule 2. Sur le toit de la Renault Clio, les photos qui rappellent la victoire ce week-end d'une autre Renault Clio au Critérium Gras Alpin. Voilà sur le toit de la Clio, Bernard Munster, Jean-François Hesse, troisième du général, premier des deux roues motrices. Saison complète, cela veut dire dans 15 jours, Joseph Lambert, Nicolas Mine, Joseph Lambert, vainqueur en Groupen. Ils sont quatrième du classement général et ils remportent également des bouteilles de champagne. Et pour Nicolas Mine et Joseph Lambert, ils prennent la tête du championnat de Belgique des rallyes internationaux, vainqueur de groupe N à Spa, vainqueur de groupe N au circuit des Ardennes. Alors, vos applaudissements, voilà, Joseph monte tranquillement sur le toit de la voiture.
Il va recevoir sa bouteille de la part des hôtesses de Nostalgie. Les photographes sont là. Nouvelle victoire de la nationale. Et maintenant une autre Mitsubishi Lancer avec Nicolas Mine, Joseph Lambert, nouveau leader au championnat de Belgique. Vous êtes en effet actuellement leader au championnat de Belgique des rallyes à terre. Une victoire en groupe N en Espagne, une victoire en groupe N ici. La saison.